bonjour, dames et messieurs. Bienvenue dans la meilleure émission qui décortique, bien sûr, l'actualité people ici et d'ailleurs. Vous êtes dans votre émission préférée, Fafa. Nous vous souhaitons joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent sur toutes les plateformes et que la grâce de Dieu vous accompagne, bien sûr. Recevez votre même serviteur que je suis, Serge Defalé. Aujourd'hui, en compagnie de la charmante et la célébrissime Yumi, vêtue de couleur de Noël, Maman Noël. Oui, la mère Noël est dans les parages avec beaucoup de cadeaux, beaucoup d'affaires congolais et un peu de piment. Un peu de piment, hein. Oui, un peu de piment. Très épicé, hein. Très, très, très épicé. Ben, c'est super top. Alors, pour la Noël, nous avons reçu un artiste. Oui. Qui est devenu, mais c'est un gombrise des, comment on appelle là, même, les arbres de Noël, là, mais va tuer ça chaque fin d'année. Alors, dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui un artiste qui est très petit des talents. Il a commencé tout d'abord sa carrière en tant que danseur. Il a fait des grands et des beaux jours, des artistes très connus. Et tout d'un coup, comme ça, il a décidé de se lancer lui-même en tant qu'artiste avec son premier titre à succès. Dans tout ce qu'il fait, il ne force pas. Et il a ce truc-là, ce talent inné. Et il le développe assez rapidement depuis plusieurs années. Il est sur la scène musicale. Il continue de nous sortir des tubes et des hits. On va point finir. Dames et messieurs, nous recevons ici le célébrissime Obamsa. Bonjour. Voilà. Bisous. Comme à l'entrée des Oscars. Ah ouais. Yumi. Bonjour. Moi, c'est la voix d'Obamsa qui me fatigue. Il était jeune. Mais bizarrement, il a la même voix que J, c'est pluriel. On t'a déjà dit ça? Non, pas encore. Tu as la même voix que J, c'est pluriel, mon frère. Je n'ai pas encore posé à lui comme ça. Hey, il faut bien écouter. C'est-à-dire que moi, ainsi, il chante en zoulou, on le croit. Sa voix là-dedans, c'est un peu cassé. De façon, on dirait quelqu'un qui vient s'élever, fatigué. Il était dur. Mais Yumi, avant même de rentrer mais dans le vif du sujet de Fafa, tout ça, là, moi, vraiment, Obama, tes chaussures là, c'est quoi ça encore? Ma chaussure, pour ceux qui ne savent pas, c'est la dernière sortie de Boot de l'Eloïm. Non, pas ça au steak là-bas, aussi, on est seulement que des avoir ça. Mais Obama, comment tu fais pour marcher derrière ça là? Elle marche normalement, c'est une chaussure légère, au calme. C'est légère, qu'est-ce que tu as voté là? Ah bon? Attends, depuis matin, c'est ça que tu as voté? C'est dans la pluie au calme. Mais est-ce que tu n'as pas chaud dedans? Non, ça n'a pas chaud. Mais ça là, ça ressemble à la chaussure de Super Mario, dessin animé, un jeu de Super Mario qui coule là, c'est ça? Bon, mais dis ça, mais c'est pratique. L'essentiel, je suis à l'aise, c'est bien l'essentiel. D'où t'es venu? Parce qu'au début, là, tu ne portais pas les chaussures comme ça, on était déjà habitué à la fête des salopettes. Bon, tu nous envoies des chaussures comme ça, avec les lunettes, avec éclair. des éclairs. Bon, buzz l'éclair plus chaussures de Mario. Bon, je ne sais pas, cocktail de ça, là, ça sort quoi? En fait, l'artiste, là, c'est ça. C'est compliqué, hein? On est obligé de faire des trucs, sinon, t'es pas à mettre dedans. Même dans chaleur d'Abidjan, si jacket nous met dessus, nous, encore. Adama. C'est Noël, un peu comment? On dit rouge, blanc. Donc, yes. Mais le salopette n'a pas manqué. Hein. Non, ça ne peut jamais manquer, jamais. Pourquoi? C'est ton base, quoi. C'est ton Gigi ou mes. En fait, ils ont mis le comment? Ton amour. Ils sont à l'aise dedans, c'est le camp. Dans le jeu de ton mariage, là, ton salopette. Le salopette, même un petit. Même la mariée a porté ça. Salopette. D'accord, Obams. Moi, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour quelle raison tu t'es séparé? Diminue le chanceux. Quand on sait que, entre vous, le courant passait bien, tu danses avec lui, tout ça, il t'a même aidé, étant au Burkina. Et puis un matin, tu le laisses, tu viens à Abidjan. Pour une simple raison, au calme. Dans la vie, il faut passer souvent à autre chose. Donc, tranquille, je lui ai dit. Un garçon parle quoi, il y a histoire de go derrière. Histoire de quoi? De go derrière. Mais lui-même, il a dit ici qu'il a lutté une go avec un natif ivoirien. Bon, et c'est pas toi. Non, il dit qu'il a lutté le gars quand le gars a pris la go pendant 2 ans. Il luttait la même go. Non, c'est moi qui était un chorégraphe, un artiste. Ouais, non, mais chorégraphe, c'est artiste ou bien? Non, c'est pas artiste qu'il parle de ça. C'est artiste chanteur. Donc, si c'est pas go, c'est que c'est l'agent? Non, on peut pas avoir un truc. J'ai signé un contrat avec Emilio, donc, le chantier quand j'étais chorégraphe. Donc, tout allait bien. Jusqu'au niveau où je lui dis, bon, je rentre au pays, je reviens, mais souvent, il faut passer à autre chose. Passer à autre chose. Mais non, ce que moi, je veux savoir, hein, cette transition, elle se fait comment? Parce qu'à la base, tu es chorégraphe. Oui. Voilà, à la base, tu es chorégraphe. Mais comment déjà même tu commences à être chorégraphe, même d'abord, avant de devenir artiste? Chorégraphe, c'est un talent. Hein. D'abord, quand le talent y est, bon, ça ne fonce pas, ça vient. Tu as fait un peu l'étude pour les enfants de Wozo, les trucs comme ça, tout ça. Ouais, Wozo, l'artiste-corps, avant de peut-être me lancer avec les artistes. D'accord. Mais la coiffure, excuse-moi, mais là, depuis la question qui vient, la coiffure là me fatigue.
Ça s'appelle comment? Et puis c'est venu comment? Et tu laves dedans. Il n'y a pas pour, il y a pas pour dedans. Non, je ne vais pas avoir pour. Ah, vas-y. Youni, il n'y a pas pour. Jamais. Non, il n'y a pas pour. Ça m'a pas pris depuis que je suis. Chorégraphe. Chorégraphe jusqu'à maintenant. C'est, wow, enfin, a... c'est quoi le nom de la coiffure? C'est Obams. C'est ma coiffure Obams. Eh bien, avant, c'était payé, c'était beaucoup. Je t'ai dit. C'est-à-dire que ça pousse en attache seulement. Mais quand tu es lavé là, tu fais comment? Je lave, pas de laver, j'ai pas. Ah, moi, je vais au salon, je fais un bon shampoing, je défais. Mais c'est dans deux semaines. Pour toi, de façon, voilà, ça doit être dur. Peine ne rentre pas dedans. Non, au moins un pot, chaque lavement, lavage, un pot. Un pot. Mais c'est pas trop. C'est que c'est pas la Côte d'Ivoire qui est bon pour toi, c'est la Jamaïque. Mais c'est là-bas, on garde les cheveux comme ça. Non, c'est pas beaucoup que ça. Il y a d'autres qui ont beaucoup de. Alors, ton amour pour la musique, en tant qu'artiste aujourd'hui, ça te vient d'où? Mon amour pour la musique. Bon, de là-dessus, j'aime la musique. Et puis, d'accord. J'écoute beaucoup, depuis petit, j'écoute beaucoup la musique. Déjà, quand j'étais à l'école, au lycée, j'écoutais beaucoup la musique. J'écoutais beaucoup Fally, j'écoutais beaucoup Arafat. Donc, l'amour est venu comme ça. Quand je suis rentré chorégraphe, j'ai arrêté l'école à cause de la crise et tout. Voilà. Et comment tu viens? Bon, ton premier titre, tu ne forces pas. Comment c'est né de quoi la collaboration? L'inspiration t'est venue de quoi? D'abord, en force, ce n'était pas forcément mon premier titre. Il y avait tellement, il y avait beaucoup de chansons parce que à l'époque, bon. Moi aussi, j'ai parlé d'époque. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est ta manière qui fait ça. Tu te vois déjà vieux, quoi, que tu as époque. À l'époque. Bon, autant où il a fait sortir en force, il y avait beaucoup de sons. Beaucoup de sons au studio, dans l'ordinateur, puisqu'il travaillait dans le bureau, dans le studio de CTO avec une qui dit son nom toujours. D'accord. Voilà, en tant qu'arrangeur même, ingénieur de son. Donc, j'ai profité pour enregistrer les sons comme je peux chaque soir. Et quand c'est plaignait, tu as fini courant. Toi, pourquoi toujours c'est toi qui... Je le faisais quand même. Et puis c'est de là, c'est parti, on fausse pas. D'où tu viens de la collaboration avec Malik Jones? Malik Jones, à la base, il venait faire un son au studio de CTO et il m'a trouvé. Moi, je ne connaissais pas. Hein. Donc, il m'a demandé, moi, je fais quoi? Il a vu mon style et tout. Il est venu avec sa femme. Et puis, ses amis. Alors, moi, je fais quoi? Il dit, bon, moi, je suis arrangeur, mais je me débrouille un peu, je chante un peu. Mais ma carrière n'a pas encore décollé, quoi. Je me débrouille un peu. Et il dit, ok, tu peux me faire écouter quelques sons que tu as fait. Je vais faire écouter 4 albums. Ah, il te dit, il veut écouter un son. Il veut écouter. Quand tu veux écouter 4 albums en même temps. On sait jamais ce qui va lui plaire, on sait jamais. Bien sûr. Ouais. Donc, il a écouté, il dit, il y a un autre, il a écouté jusqu'à. Et après, mon numéro, c'est parti. Et là, vous avez. Mais pourquoi ça s'est porté sur le choix de la chanson On Force Pas? On Force Pas, c'est lui qui a choisi. C'était le choix de Malik. Une belle histoire d'amour qui a fini. Vraiment, moi, ça allait finir les gants de boxe pour moi. Non, jamais gants de boxe. C'est un truc de papier et tout. Là. Un peu de papier. Il faut dire que il y a une particularité quand même dans On Force Pas. Oui. C'est-à-dire que tu sens qu'il a. En fait, il a épousé le truc, en fait. Ouais. Artistiquement parlant, tu as fait ce qu'il faut pour que la chanson soit. Ouais, tout était déjà calculé, il y avait tout, il y avait tout. Même la réalisation, c'est moi, je dis au réalisateur, je veux ça, je veux ça. Il dit non, va, il dit non. Moi, je veux ça simplement, voilà ce que je veux. Je veux marcher comme ça. Je veux marcher comme ma salopette, tranquille. Je lui ai expliqué, puis... Donc, l'histoire de la salopette, déjà, comment elle te vient? Cette fameuse salopette qui est ton amour, tu dors avec, tu lèves avec, tu te laves avec, tu dragues avec. Bon, je ne sais pas si l'autre côté là, tu fais avec aussi. Bon, la salopette, l'aime depuis tout petit, mon anniversaire, baptême, depuis petit. Moi, j'aime la salopette. Donc, j'ai dit pourquoi pas m'approprier ce style vestimentaire en tant qu'artiste. Donc, c'est resté sur moi. J'aime ça. D'accord, au niveau du coupé décalé, tu es à quel niveau pour toi, au stade où tu en es aujourd'hui? Tu as quel niveau dans le coupé décalé? Ah, le coupé décalé. Moi, je pense que ce sont les fans, les mélomanes qui doivent dire à quel niveau. Toi-même, comment tu je te vois? Comment pour toi, tu as quel niveau? Pour moi? Je suis au niveau où le coupé décalé doit être actuellement. Moi, je ne sais pas. Toi, dis-moi. Bon. Quand on dit depuis le bon départ niveau. Du Daichi, le coupé décalé dort. Donc, toi, tu as quel niveau? Bon, depuis le départ de Daichi, je ne peux pas mentir. Quand Daichi, Feu, Arafat est décédé,
C'était moi qui étais venu avec mon force pas, tranquille avec mon style. Si je vois, je vais voir mon niveau. Je vois que c'est le haut niveau. C'est le niveau de. Je, par exemple, peux citer quelqu'un, non. C'est le niveau d'Ariel Chené, de DJ Mix, des choses dans le coupé décalé. D'accord. Pourtant, malgré ce niveau-là, il n'y a pas eu bon choix là-bas. Mais, aïe, ma gorge. Comprimide. Bon. Je peux dire le Prémude, c'est un prix vraiment important pour la Côte d'Ivoire. Et si je n'ai pas eu le Prémude aujourd'hui, hier, avant-hier, c'est que peut-être je ne mérite pas. Donc, Manage a confirmé, mérite mieux que toi. Manage a confirmé. Oui. Pour le public, pour son public, il mérite. Non. Ça, il y a mais on l'avait déclaré, mais lui, on l'avait déclaré concernant le Prémude, que lui, Obama, et il ne trouve pas normal qu'un artiste pour ses fans aller voter. C'est comme si le prix l'avait acheté. Non, rectification. Comment? Pousser à aller voter, c'est différent de. D'acheter. Où ça est voté? Tout le monde exhorte ses fans. Bien sûr, c'est ce qu'il doit être. Voter pour moi parce que non, je suis nominé à telle catégorie. Ouais. J'ai en mettre de l'argent pour les votes. Bon, c'est ça? Moi, normalement, ma conception, c'est que moi, je pense que pour les efforts peut-être qu'un artiste fait durant une saison, tout le monde a dansé, les enfants, les mamans, jusqu'au point où on a donné des prendants rémunérés. Je ne pense pas qu'il doit peut-être se lever, faire encore des efforts pour faire sortir de l'argent, même des sous, pour acheter un prix et puis être fier de ça. Aller à la maison pour dire à ses enfants, j'ai eu un prix parce que j'ai chanté. Non, c'est pas possible. Donc pour toi, ceux qui ont eu des prix, ils ont payé pour avoir ce prix. C'est possible. Bon, donc si c'est possible, donc je dirais quoi? Bon, ceux qui n'ont pas de vrais fans. Tu dis ceux qui n'ont pas de vrais fans. Mais oui, parce que tu as des vrais fans là, normalement, pourquoi tu as les payer pour avoir un prix? Bon, peut-être c'est le souci de la Côte d'Ivoire actuellement. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de véritable fan. Parce donc qu'on dit de voter. Pas assez la musique ivoirienne, en fait. Bon, c'est possible. Parce qu'on dit de voter, on ne vote pas. Donc, c'est normal que celui que tu aimes, la chanson que tu aimes écouter, il ne parle jamais prendre des fans. Donc, ça sert à quoi d'avoir des millions de followers dans ce cas-là? Vraiment, c'est même tu as boosté pas, je. Non, même pas. C'est quand tu kiffes que tu t'abonnes, ça, il n'y a pas de tricherie. D'accord. Tu ne travailles pas à Zungem Bergoumé avec. Ah, on ne sait jamais. Pendant que tu portes les chaussures de Lil Wayne, peut-être que c'est ton voisin d'à côté. Ah, c'est aussi ça. Hein. Mais j'ai vu aussi Yumi. J'ai vu Obama sur les réseaux sociaux. En train de jouer un instrument. Tu maîtrises la guitare? Ouais, je suis. Bon, je ne peux pas dire maîtrise vraiment. Ce n'est pas une musicien, mais je suis un peu amateur. Enfin, amateur. Je joue ce que je veux en tout cas. Ok, mais dans tes vidéos, pendant que tu jouais à la guitare, bon, tu pouvais jouer à la guitare et puis chanter une coupée décalée. Ouais. Mais à la différence, tu joues à la guitare et tu chantes des chansons à la gloire de Dieu. Ouais. Tu veux changer de registre pour les jeunes KS Blue ou bien tu veux des chants? Parce que toutes tes chansons que tu fais avec ta guitare, c'est que des chansons pour célébrer le Seigneur. Voilà. D'abord, pour dire merci à Dieu parce que je suis croyant. D'accord. Voilà. Et puis, en deuxième partie, tu n'es pas obligé. Passer, on dit couper, décaler, ça ne veut pas dire bon, tu adores Satan, mais t'es dans un autre moment. Donc tu n'as jamais le coup à des fétiches pour avoir le succès? Jamais de ma vie. Jamais, tu peux aller te laver quelque part. Non, grand, jamais. Te lever au milieu de la nuit. Ou bien il n'y a pas de talent. Ah bon, il m'a dit, il y a des gens qui ont des talents, mais qui veulent encore renforcer. On dit oui. Non, jamais, jamais de ma vie. Jamais coco. Jamais. D'accord. Alors, dis-moi, Obama, ta dernière chanson là, pardon. Tu chantes quoi de là? Ma dernière chanson, le prix va te dégoûter. Oui. C'est juste un conseil à la jeunesse, ou même pas forcément à la jeunesse, hein, à toutes sortes de personnes. Faut pas accrocher ton avis ou ta main à l'UFA. C'est pour dire à ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens que la vie vit à ton rythme tranquille, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. Donc, tu vis à ton rythme et puis tu avances peu à peu. D'accord. Pour toi qui sont des modèles de l'ancienne génération, on va dire Serge Beno, DJ Mix, DJ Léo, pour toi qui sont ceux qui, parmi les anciens, tiennent encore les rênes du coupé décalé? Je crois que tout le monde tient à sa façon. Tout le monde tient à sa façon. Pourtant, on dit que DJ Léo, là, ça fait trois fois, il change son drame, il ne s'est pas encore réveillé, quoi. DJ Léo. Il dort. Ouais, DJ Léo tient à sa façon. Parce que quand il fait des soirées, il fait des spectacles, les gens viennent, il a son peuple. Hein. Il a son public. Hein. Public de bar et puis public global, là, bon, moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il préfère son public de bar, on ne va pas essayer de mettre une discrimination, mais un truc. Là, son public. C'est quelqu'un qui dort, il va son dire public, aux c'est comme ça. Celle de nous et tout, ils ont démoussé les mix, tout ça, qui sortent des sons. Lui, il dit qu'il n'y a qu'à se réveiller alors que c'est lui qui dort.
Il a son public, jamais il a son public, c'est comme ça, insensément à son public. C'est-à-dire que lui, là, lui seulement, il est fort, hein, son petit public de bas. Il ne peut pas donner dans un public de Ivoirien. Il se plaît dedans. Il se plaît dedans. Bon. Mais tu ne veux pas lui dire de se lever. Ça va venir. Quand? En fait, trop fait, il change de drap. Deux temps, ça va venir, ça va venir. Mmh. Il y avait quand ils sont là, ils ne donnent pas au sang là. Mais, et puis, Yumi, dans, il y avait un Fafa, tu te souviens? Oui. On a réussi ici, Daoudi. Le Kirikou. Daoudi le Kirikou qui dénonçait la maltraitance des artistes vis-à-vis de leurs danseurs. Qui dit que beaucoup d'artistes ivoiriens, surtout dans le pays de Calais, maltraitent leurs danseurs. Oui, et sous-payent leurs danseurs. Ouais, sous-payent leurs danseurs. Toi, tu as été danseur à un moment donné, aujourd'hui tu es devenu artiste. Est-ce que pendant que tu étais danseur, on t'a maltraité aussi? Moi, ça dépend de comment. Ou sous-payé. Sous-payé, maltraitance. Non, je pense pas. Non. T'as pas été malmené, rien. Tout ça? Non, non. Mais bon, quand tu te prends au sérieux, quand tu te prends au sérieux, on te prend au sérieux. Donc, je pense été, que moi, je pense que quand t'es un danseur et t'es chose on te paye pas ou t'es maltraité, c'est que toi-même, tu dois te revoir. Tu dois te revoir. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu es devenu artiste, est-ce que tu traites bien tes danseurs? Très bien. Ils ne se plaignent pas? Ils se plaignent même. Tu les payes combien? Ça dépend des spectacles, ça dépend des voyages, ça dépend aussi du cachet. Bon, le tout dernier, tu les as payés combien? Le tout dernier. Mmh. Le tout dernier spectacle, c'était bon, spectacle comme spectacle. Mm-hmm. Je paye quand c'est Abidjan. Oui. Quand c'est Abidjan, je paye 20 000 par spectacle. 20 000 par spectacle. Ouais. D'accord. Quand c'est Abidjan. Et quand c'est hors? Voyage, par exemple, dans les villes à l'intérieur. Ça dépend de la distance. Si c'est Yamsoukro, il y a sa distance. Si c'est un peu en bas, Kologo, tu vois. Ça dépend du risque qu'on prend. Donc, Pour toi, plus le risque est grand, plus le jet est bon. Ouais, parce qu'on ne peut pas quitter ici. Aller au Togo, et puis elle vient te donner 20 000. Mmh. Ouais, mais toi, maintenant, t'es fâché. T'es jamais sorti avec une danseuse? Ouais, on sait que souvent, ouais, danseuse assise. Hein? Et jamais une danseuse. Pourquoi? Tu as peur de ça? J'ai pas peur, moi. J'ai peur d'être tentée. Je me sens à l'aise avec les garçons. Les garçons. Mais pourquoi t'as pas de danseuse? Je ne pas les femmes dedans aussi. J'avais mon dernier concept, même dans les clips, il y a des filles. Non? Oui, mais pas de clip là. Mais si, là, tu fais des danses. Est-ce que c'est des filles qui dansent avec toi avec le. Non. Tu as quel problème avec les femmes? Je n'ai pas de problème. Je me dis, mes concepts seront plus sûrs. Seront beaux à voir par papa. Donc, les danseuses là, féminines, elles ne dansent pas bien. Elles ne pourront pas assez vendre ton concept. Bon, peut-être c'est ma conception, ils ne pourront pas vraiment vendre comme je veux. T'as un groupe de filles, comme les Jaguars, elles dansent bien. En fait, moi, je suis faisant de couper des calés. Mais elles dansent couper des calés. Une fille, bon, elle peut pas forcément rouler, elle peut pas. Elle peut pas quoi? Elle peut pas trop être hardcore, un peu échappée. Je peux me lever de là à là. C'est comme un gars, on se trouve dans tel bar. C'est comme on se trouve dans. Une femme, mais va. Mais il y a des suros là, eux, ils ont les dansés qui vont en France. Elle coupe pour elle. Pourquoi toi, tu es calé? Et vont zouglou. Non, les zouglous sont les zouglomans sont là. Ils ont pas dans un rythme un peu posé, de façon. Nous, on est un peu coupé. Les cascades, ça va vite. Tu es plané en l'air, sauté. On doit faire tout. Et puis, c'est chaque fois. C'est en couple, oui. En couple. Non, je ne suis pas en couple. Tu es célibataire. Oui, je suis célibataire. Donc, tu parles comme ça en ville, tu es célibataire, il n'y a pas de femme dans la vie. Ça arrive souvent. Comment ça? Donc, ça t'a jamais arrivé? Non, ça ne me parle. Non, moi, il y a l'autre qui m'arrive, il y a là. Mais donc, toi, si il y a. Ah là, il n'y a pas quelqu'un qui est occupé ici. Si tu es dans l'allée comme ça, là, en ce moment, ce n'est pas pris, donc tu peux courir. Pas forcément courir, on ne peut pas avoir une go dans l'allée et puis on court en même temps. Non. C'est la go de couper des calés. Dans tes voyages, il n'y a pas. Non, pas, il n'y a pas. Mais sinon, on ne va pas passer à Obama, ça a des enfants. Oui, il y a des enfants. Pourquoi tu réfléchis avant de dire? C'est pas des mecs différents comme pour prendre le gâteau. Non, même si ça va voir. Ah, donc c'est le même groupe là? Non, c'est pas le même groupe. Pourquoi? Il y a un nom de groupe, des groupes. Il y a quel groupe WhatsApp? Non. Parce que quand tu le gâteau, les vedettes ici, c'est des enfants, des mecs différents. Toi aussi, tu viens t'asseoir ici, on demande, tu dis qu'il y a des enfants. Tu dis, j'espère que c'est pas des mecs différents. Tu dis, il y a beaucoup d'enfants. Ah bon? Tu en as combien? Tu as combien? Oui, quoi, 7? Comment? 7 ou 8? 8, non? Tu sais même plus. Non, c'est 7, 7, 7. Tu nous prends au sérieux, mais tu es en train de jouer un autre. Attends, tu as quel âge? Tu as 16 ans. J'ai mes 30 ans en avril. Et puis tu as 7 enfants. Oui, oui. Mais il y a jumeaux dedans, mais tu ne dors pas.
Il ne dort pas beaucoup, pas moitié, il ne dort pas la nuit. Donc, de toute façon, femme est douce. Tu n'as pas dormi quand tu as fait 8. Et puis aujourd'hui, là, tu as dit que tu es célibataire. Toi aussi, au bain. Célibataire, non. C'est la trouvance. Tu n'as pas encore trouvé la trouvance. Mais j'espère que ce n'est pas des mères différentes comme au banjo là. Non, c'est deux mères seulement. Deux mères. Bon, donc, tu as fait combien dans. Tu as partagé, c'était quoi 4, 4, 2, bien, c'est pas. J'ai fait 2 et puis 6. Donc, non, dans le masque, c'est où il y a le plus grand nombre là que tu dois valider, mais. Non, c'est pas forcément. Pourquoi? C'est le gros nom en d'une manière comme quoi de Weas. C'est que c'est Weas. Bah, ou bien il se comporte de manière Weas. Hein? Elle se comporte de manière Weas. On dit c'est neuf. Hein? Les enfants. Là, bah, même, si tu dors pas la nuit, il y a quel problème? Oui, la dernière fois. Ah, la dernière. Souvent, ça se fait. Ouais. Ton genre de femme, c'est quoi? Un genre de femme. Mm-hmm. Un genre humain. On est tous des humains. C'est femme, c'est femme. Mm-hmm. Apoutou skinny. Non, moi, je suis moi un peu skinny parce que maintenant, c'est un dernier apoutou. Non, avant, mais avant, tu étais skinny, mais tu étais un peu apoutou. Le dernier, en train de t'agrossir. Bon, moi, c'est un mode humain. Humain. Ouais. Genre, plutôt Sarah Messan ou bien plutôt Emma Loès ou bien Kamen Sama. C'est quoi le genre entre toi? Aïcha a tremblé. Aïcha a tremblé. C'est mieux pour toi. on va se couper, tomber tous les billets. Alors, Yubi, oui. Aujourd'hui, Oba ne peut pas nous dire qu'il ne voit pas tout ce que le cadavre fait, bébé sans os de main. Il fait tellement fort, il court et tout jusqu'à même là. Il a fait disparaître l'ami d'Obams, bébé sans os d'original. Tu as le nouvelle de bébé sans os d'original? Bon, encore souvent, bien sûr. Non, c'est, je sais que c'est ton ami, il est démon. Mais comment toi, tu vois, si demain, un autre gars quitte ta main, et puis il vient, il dit lui le Obama des mains. Et puis tes dames le pion, où est tout le monde pour te laisser derrière? Qu'est-ce que ça devait? Bon, si cette histoire-là, bon, il n'est pas trop impensible. En tout cas, Besson, c'est quelqu'un de courageux. Oui, quelqu'un qui travaille, si le travail paye. Aujourd'hui, ça va. Tu es d'accord avec son point de vue concernant les primutes quand il a eu à se prononcer? D'accord avec lui, concernant le premier. Non, elle parle bébé sans demande. Bébé sans demande. Bébé sans normal, l'original. Un normal. Je demande après bébé sans original. Il est en France, non? Oui, il est en France, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Donc la deuxième question, c'est. Non, je dis bébé sans demande. Il a eu à parler par rapport au premier. Il est sorti énervé. Très énervé. Très énervé. Frustré. Il a fait une sortie sur la toile. J'ai d'accord avec le Houpan. Qu'il méritait vraiment le prix. Bon. Chacun a sa manière de communiquer. Et la manière il coule là, personne ne coule comme ça dans le pays des carrières. Chacun a sa manière de communiquer. Si il voit qu'il mérite, c'est qu'il mérite. Prochainement, il n'a qu'à dire à ses parents de miser. À qui ça? De donner quoi? De miser pour qu'il ait le premier. À c'est qui? Ses parents ou lui. Bon, qu'est-ce que toi tu penses du premier remporté par Manadia Confirmé? À Manadia Confirmé. Oui. C'est quelle catégorie même? Les étoiles montantes du coupé des carrières. Étoiles montantes. Bon. Dans la même catégorie, il y avait Apoutou, quand même, qui a sorti un album de belle famille. Et il y avait aussi, on va dire, Anaconda, comment on l'appelle, 512, qui est une très belle chanson. Hein? Il y avait aussi Bébé sans rose des mains dedans. Et voilà. Et c'est Manadia Confirmé qui remporte le trophée. Voilà, donc, mais poulet devient quelqu'un. Voilà. Voilà. Bon, moi, je pense que, bon, ils ont voté pour lui, il a gagné. Pourquoi les autres vont se prendre? Mais toi, tu penses qu'il a fait voter les gens, comme tu as dit, il a payé le prix? J'ai lu ceux qui savent. Oui, mais comme c'est le père de l'Aziz 47, là, le père a payé pour le fils. Moi, je ne suis pas à côté de Maria Confirmé. Combien tu as peur comme son, il a un père spirituel très puissant? Un peu de qui actuellement ce matin? Dans nos pays, il a gagné, c'est ce qu'il a mérité au calme. Le premier, c'est un prix respecté ici, donc il ne faudrait pas qu'on. Tu as eu à faire un concert l'année dernière, si je ne me trompe. Oui. Qui a été vraiment un concert magnifique auquel j'ai assisté. Et ça arrive au moment où tu n'es plus un Malik. Il a bloqué tes étoiles en ce moment-là. Et à peine tu ne te sais pas, tu fais un concert phénoménal, chorégraphie, entrée spectaculaire. On a eu l'impression que depuis que tu t'es séparé de lui, là, bam, tu as fait un bim total. Vous savez, ma relation avec moi et Malik John, son ancien prod, c'est pas. C'est pas peut-être à la déchéance, c'est pas parlable en fait. Vous voyez, on cause, on se regarde, on se partage des statuts, on cause quand on se voit dans les coins, on se salue tranquille. Donc, aujourd'hui, vos rapports sont bien. Et puis, on cause. C'est Dieu qui gère le reste. Si, bon, à la séparation, moi, pété, comme ça pouvait être descendre. Hein. Mais bizarrement, tout ce qui gère là, ça monte pas. Il gère Candice, ça monte pas.
ou bien quand tonton la pipe monte, ça descend. Toi, il te laisse, c'est bim. Est-ce qu'il y a un problème? C'est la vie, il faudrait pas qu'il se décourage aussi. S'il a choisi d'être producteur, il faudrait qu'il continue. Mm-hmm. C'est la vie, Dieu. Donc, s'il regarde cette vidéo, c'est le courage, il connaît. Il sait. C'est un homme courageux. Alors, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des projets à venir? Bon, là, tu avais préparé un concert l'année dernière. Cette année, pas de concert, en fin d'année. Tu as sorti un titre qui tourne pas mal. Alors, qu'est-ce que tu as comme projet d'avenir en ce moment, artistiquement, en 2024? Bon, là, je viens de faire sortir un single qui est sans te dégoûter, tranquille, pour finir peut-être l'année. L'année. Je vais peut-être faire un single pour bonne année. L'année 2024, je compte faire sortir un album. Donc là, je suis en train de. De combien de titres? De 12 titres. Ouais, déjà, même tu n'es pas encore chanteur, tu as déjà 3 albums collés. Il était pas. J'ai fait 12 titres pour vous, c'est rien. 12 titres? Ouais. Aujourd'hui, tu appartiens à une maison de production ou tu te prends en charge toi-même? Bon, aujourd'hui, pour le moment, je me produis, je viens en autoprod. Ah, tu es en autoprod en ce moment? Ouais, c'est dans ma poche. Hein. Non, le jet, trop. C'est pas fait le jet, le dernier cachet, c'était combien? Le dernier cachet? Ouais. Du spectacle? Ouais. Non, on ne touche pas beaucoup, on se débrouille un peu. Bon, le débrouillement n'est pas beaucoup là, c'est combien au GAMS? Au moins, ça suffit un peu pour économiser. C'est combien, mon frère? C'est une somme qu'on peut souvent se débrouiller en tout cas. Mais dis non, peut-être on ne sait pas, peut-être c'est ce qu'on. Même chose en prompt, c'est débrouillant, mais. Bon, ça pas. Peut. C'est, bon, un intervalle de. Mm-hmm. Intervalle de. 10-15 minutes. Abidjan ici. Non, pour toi, pourquoi? Ah. Abidjan ici, on prend quelqu'un qui va t'appeler. Ici, Abidjan. On paye pas bien. Intervalle de 600 à 300. Mmh. Dans Abidjan, là, les promoteurs ne les payent pas bien. Non, on paye, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du secteur où tu joues. Ça dépend du secteur, ça dépend du festival, ça dépend peut-être même de la personnalité que tu appelles. Mmh. Et dis big up à maman, Kandia Kamara aussi. Bisous à toi. Maman. On a appris que c'est ta marraine même. Big up aussi. Chaque fin du mois, tu vas prendre le sac d'Eric. Non, c'est pas ça, fin du mois. C'est quoi? C'est pas ça, fin du mois, c'est là. Non, c'est une dame qui me soutient beaucoup, qui voit mon courage, qui voit ma sueur, donc. Dans les temps en temps, les petites enveloppes, c'est pas mauvais. Ah, moi, c'est un bonsoir. À la mer, c'est un bonjour. Et oublie pas aussi mon vieux ministre des Transports, Amadou Koné. Ah, ça veut dire, c'est là, ce que c'est. Mais Obama, ça, c'est là qui salue. Nous-mêmes, on n'a pas le numéro de quelqu'un. Toi, tu salues, monsieur le ministre, madame la sénatrice. Bon, mais. Même dans ton bateau, mais. Dans ton réseau. C'est rien, mais mon vieux Défaillé, tu connais. Lui, il connaît, moi, il ne connaît pas. Mais Défaillé, donc, vous partez dans le même couloir. Non, c'est coupé décalé, en fait. Ah. Oui, à partir d'aujourd'hui, il fait le coupé décalé. Donc, mettez-moi dans le couloir. Il y a les promesses. Il y a les dire bonsoir, monsieur le ministre, madame la sénatrice. Tranquillement. Ah ouais, c'est tombé. Alors, Obama, bientôt la CAN, oui. À Côte d'Ivoire. Tu as préparé un son pour soutenir les éléphants? Oui, ouais, ça va venir. Un son en couple avec pas mal d'artistes coupés, décalés. Genre un son vous faites en. Un collectif. Un collectif, quoi. Ouais. T'as déjà sélectionné ces artistes-là? Oui, il y a une sélection. Mm-hmm. D'accord, vous comptez sortir ça quand? On compte sortir en décembre. Pas trop de détails de la date. D'accord. Finale de la Côte d'Ivoire pour cette CAN. Tu vois la Côte d'Ivoire face à qui et combien le score? Côte d'Ivoire, Ghana. Mm-hmm. Et le score? 2-1. Victoire de... pour la Côte d'Ivoire, comment on dit Ghana? Voilà, c'est ça. Victoire voilà. Pour la Côte d'Ivoire, forcément. Pas de tir au but cette année, non? Non, pas de tir au but, mais voilà. Non, c'est un chat. Pas de tir au but cette année, pas pitié. Voilà, pas de tir au but. Okay, marquez vos deux, ils mettent le 1, puis on s'en va et là-bas. D'accord. De toute façon, ça reste ici, ça n'a pas quelque part. Ici, ça a commencé. Obama, très intéressant dans tes titres. On voit beaucoup tes titres en général. Tu tires l'inspiration parce que tes chansons sont très atypiques. Oui. Tu as une manière aussi de les chanter. Bon, je dirais même beaucoup plus en parolier. Et c'est des thèmes. C'est quoi, d'où tu tires ton inspiration? D'abord, je faisais le coupé des canettes. Ça, je le dis toujours. D'accord. Mon inspiration. Bon, inspiration, mais ça qui tout. C'est Dieu donné, c'est Dieu. On voit ça même fois, les boucles de rien. À chaque Christ, fois, j'ai des idées. Souvent, je dors et puis je me réveille un coup. Il y a une mélodie qui me passe en tête, qui est un concept. Quand le concept est là, ça peut être par exemple le micro. Quand il sait qu'il y a le micro, tout ce qui vient à côté, c'est comme ça, bien sûr. Mm. Bien sûr. Pour
pour toi, qui serait le nouveau roi du coupé décalé? Le nouveau roi. Après le départ, bien sûr, de Feu ou Ange DJ Rafat. Ah, c'est pas forcément moi. Qui ça? Direct. Forcément moi, forcément. Et pourtant, il y a Benoît qui se bat. Ariel Chenet dit lui, il est l'héritier. Toi, tu dis c'est toi. Donc, vous allez lutter Corona. Non, c'est pas une lutte, c'est le travail. En fait. Et les bébés sans os de main qui viennent derrière le congélateur. Les sans os de main, bon. Pour ma part, je pense qu'ils doivent avoir leur catégorie à côté. Ça ne doit pas être mélangé. Donc, on ne doit pas les mettre en coupé décalé. Je ne pense pas. Ils doivent créer leur mouvement, un peu comme ceux qui ont un mouvement payant, façon. Ouais, ça doit être peut-être à côté. Bon, à côté, là, comme toi, tu dis ça, c'est qu'il faut donner une idée en même temps de comment on peut appeler pour eux. Là. Pour eux, on peut dire. On appelle ça comment? Un musée public. Pour la musée public, mais quoi, comique, là? Musique, comique. Oui, c'est ça. Bébé sans manager confirmé, il y a qui encore? Qui congélateur, tu le mets là-bas? Congélateur, il chante aussi. Congélateur, il chante. D'accord. Non, bon, respect à toi, DJ Congélateur. D'accord. Donc, c'est les deux là seulement, ils vont. Ouais, et puis, Aïcha Tremblay, bon, ça, c'est au fond. Aïcha Tremblay, fait les vues, elle, elle voyage, ouais, ça mousse pour elle. Ça mousse pour elle. Donc, elle, elle chante pas, elle trompe seulement. Elle est catégorie. Donc, Ariel Chenet, voici le nouveau roi de Poupée Décalée. Bon, toi, l'héritier, je sais pas où tu allais prendre le papier d'héritage là. Et voici le nouveau roi. Ils vont courir comme il a si bien dit. Peut-être qu'il va le mettre dans la même catégorie que les bébés sont en ce moment là, je ne sais pas. Qui est bébé? Ariel Chenet, les autres. Les non, autres là. Non, toi aussi. Toi aussi. Ah, mais héritier plus roi. Ils peuvent. Alors, c'est compliqué. Obama, nous sommes en ce moment dans la période de fête de Noël. Quel est ton message que tu peux porter pour Joyeux Noël à tous ceux qui te suivent, tous tes fans, tous ceux qui t'apprécient? Bon, c'est tout simplement Joyeux Noël. On aimerait voir cette année des enfants, tous les enfants, avoir des cadeaux, tous les parents, avoir des moyens pour acheter des cadeaux. Et on aimerait voir aussi des cadeaux où il y a des bons scolaires et tout et tout. C'est très important pour le pays. Tranquille. Joyeux Noël. C'est quoi Christmas, non? Merry Christmas. Merry Christmas. En tout cas, ça nous fait plaisir que tu aies accepté de partager ce moment-là avec nous. Mm-hmm. En tout cas, c'est quand même bien amusant, là, bien titillé, moi, je pense. Ouais, hein. Quand même, bon, à part le nombre d'enfants qui augmentent, qui diminuent. Et puis les chèques qu'on va prendre dans les enveloppes. Et là, c'est fin d'année, hein, donc imagine combien d'enveloppes il va prendre. Hein, bon. Et puis un dernier message. Mais qui est ton nouveau manager en ce moment? Un nouveau manager. Moi, j'ai toujours gardé tout le même manager qui est Fazou Pascal. D'accord, ok, Fazou à qui je vais passer un big up. Ouais, Fazou Pascal et tout mon communauté. Du côté de l'Europe, toujours Vino. Oui, Vino ambassadeur. Tournée toujours. Rison Culture. D'accord, c'est top. Alors, c'est pour quand la tournée européenne? On n'a pas une envie en ce moment? La tournée européenne, normalement, ça devait être en décembre, mais je ne vais pas laisser le pays parce que c'est ici, c'est la base. Donc, je vais dire, mettre ça en janvier. Janvier. D'accord. Ben, Youmi, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Tout à fait. Nous avons reçu Obama dans cette très très belle émission. Et tu vas terminer, que tu avais un autre message encore? Bon, le message, c'est le coupé décalé. C'est pour dire à la Côte d'Ivoire que soutenir le coupé décalé et les Zougou, parce que maintenant, c'est la culture de la Côte d'Ivoire. C'est les anglophones, les Nigériens, ils ont Afrobeat. Chez les Sud-Africains, ils ont Amapiano. Chez les Blancs, les Européens, les Américains, ils ont rap, ils ont tout ça. Mais ici, tu ne peux pas te lever, t'as dit, ouais, je suis rappeur. La culture actuellement, c'est le coupé décalé, c'est le Zougou. Si on ne soutient pas ça, tu ne peux pas rapper que Jay-Z. Tu ne peux pas rapper que Jay-Z qui est l'autre côté. Donc, soutenez. Ça, c'est un message pour tout le monde, pour les mélomanes, pour les artistes aussi. Voilà, ce n'est pas un clash vis-à-vis du rap ivoirien. Donc, ce n'est pas un clash. Le rap ivoirien, c'est le coupé décalé. Eux-mêmes, c'est nos gars. Si eux aussi sont là ailleurs pour dire que, ah, nous, on fait rap ivoirien. Ça, c'est votre affaire. Maintenant, en France, vous avez dit, vous faites rap. Là, tu peux rapper que Damso. Voilà. Pas de soucis. Donc, c'est okay. Un message. Ok, alors Yumi, notre mission tire à sa fin. Oui, nous avons exactement. Reçu Obama dans ce Fafa. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Et sortez toujours couverts. Votre fête de Noël à tous et à toutes qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Merci.